Bienvenue à Lisbonne. J'adore la ville et tout, hein, y a pas de problème. Mais ça monte. Il est 9h52, aujourd'hui j'ai mon premier cours. Bilan de cette première journée de cours, putain, c'était dur, hein.
Enfin, c'était dur, pas parce que les sujets ou ce qu'on nous demandait, c'était dur. C'était la compréhension qui était dure. Et donc là, ça part mal, ça part très très mal. Je n'ai plus de cerveau. Donc j'ai eu 3 cours qui se sont enchaînés, j'ai à peine eu le temps de manger. Un premier cours, c'était sociologie de l'environnement. Ça a l'air cool. La prof, elle parlait suffisamment lentement pour que je comprenne. Elle m'a même dit que je parlais bien, donc je suis assez fière de moi sur ce point-là. On prend ce qu'on peut prendre. Hein. Le deuxième cours, c'était sur les médias nord-américains. Donc j'ai peur que ça fasse quand même beaucoup écho à ce qu'on a déjà fait dans la licence, quoi. Trop la flemme, en fait, de rechanger de cours parce qu'il faut que je fasse changer tout le learning agreement. Donc c'est le contrat d'études où il y a tous les cours que tu as choisi. Dès que tu le changes, il faut que toi, tu signes, que la fac d'accueil signe, que ta fac à toi en France signe, que tout le monde valide tout et ça prend juste... Enfin, juste, il faut trafiquer trop de papier, donc ça me saoule. Donc on va voir ce que ça donne. Le problème, c'est l'organisation, en fait. L'organisation. Des évaluations, comment on s'organise pour former les groupes et tout. Moi j'arrive au final quelque part en milieu d'année, puisque c'est qu'un semestre. Et donc les gens, j'ai l'impression qu'ils se connaissent déjà et en plus on est en ligne. Donc c'est vraiment un bordel, je trouve que c'est assez mal indiqué. Pas du tout intuitif et du coup je suis un petit peu blasé. Donc j'espère que ça va changer. Et le dernier cours, alors c'est celui-là qui m'a assommé, c'était de la traduction anglais-portugais. Sauf que moi, j'ai absolument, absolument rien compris. Parce que le prof, il parle avec le micro qui est pas hyper, hyper performant. Et en portugais, vraiment du Portugal, avec un fort accent du Portugal. Donc vraiment, tout pour ne rien comprendre. J'ai rarement vécu ça dans ma vie. Mais là, mais j'ai rien capté. Donc voilà, Erasmus, ça s'annonce bien. Je place beaucoup d'espoir dans la journée de demain et je me dis que ça sera mieux. Mon cerveau va s'habituer petit à petit à l'accent et tout ça. J'ai trouvé que les étudiants quand même étaient grave coopératifs et aimables et ils ont bien cherché à m'aider et tout. Enfin, j'ai l'impression que chaque cours a sa conversation WhatsApp. Je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que des fois il y en a pas. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Il y a des gens qui m'ont aidé en tout cas, donc ça c'était cool. Là c'est un bilan assez négatif clairement hein, pour la première journée de cours. Mais ça va s'améliorer, c'est sûr. Et quand les cours vont commencer, je pourrais vraiment en dire plus. Parce que pour l'instant au final, c'est les profs ont présenté les méthodes d'évaluation et tout ça. Après une première semaine de cours, j'ai dû faire un point avec mon coordinateur en France pour faire un bilan sur les cours, leur contenu et savoir comment on allait tout simplement. Et puis on comprend la prof parce que c'est pas tous les profs qui sont, compréhensibles. Par rapport aux accents et tout. J'espère. non, après j'ai compris tous les profs, sauf un prof et un cours. Alors justement, c'est un cours de traduction. Et là, j'ai un gros problème avec ce cours-là. J'ai profité de mes 2 premières semaines ici tant que j'avais pas encore trop de cours pour tisser des liens avec mes colocs. Et j'avoue que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours, c'est génial. Moi qui suis solitaire, j'aurais jamais cru que ça pouvait être si cool d'avoir des colocs. Oh shit. Ça a trop bien marché, c'est trop joli. Ça fait hyper naturel, j'adore. Merci. Taxomik. Taxomik. Mashabod. So you're welcome. Yes. Okay. With a hangover to 10 p.m. I'll say I'll never go again. Tata, no worries. Please get back early. Head out with champagne and dresses and let's get girly. Tata, no worries. Please get back early. Head out with champagne and dresses and let's get girly. Mon sport.
corps et j'ai décidé de me faire un petit masque à l'argile et de profiter de ce moment-là pour te dire mon ressenti des deux dernières semaines, parce que ça fait bientôt 2 semaines que je suis arrivée en fait. Oui, ben on est vendredi, donc effectivement, voilà. Donc désolée, je vais regarder dans le retour, mais bon, on s'en bat les couilles. On s'en bat le steak. On s'en bat les ovaires, pardon, excusez-moi. Donc du coup, je suis trop contente d'être ici. J'ai vraiment des up and down, mais bon, ça c'est toute ma vie en fait, donc il y a un moment donné où on est habitué. Bref. Et du coup, les colocs sont géniales, je m'entends bien avec tout le monde. Alors on n'a pas encore rencontré Amélie, parce qu'en fait Amélie, donc, qui est l'allemande dans notre coloc, elle a eu le Covid juste en arrivant ici. Donc elle était allée chez des potes et elle est restée en fait confinée avec eux. Donc elle n'a pas intégré la colocation en fait encore. Et elle devrait arriver d'ici à mercredi, mardi je crois, donc prochain, donc à l'heure où je filme on est vendredi. Donc hâte de la rencontrer, mais du coup sinon on était pour l'instant 4, donc on a Léa qui est belge, on a Denise qui est suédoise et Catherine qui est suisse. Et du coup tout le monde s'entend trop bien, la coloc est trop cool, l'appartement est comme on l'avait imaginé et comme on l'avait en fait vu sur les vidéos et sur les photos, donc ça c'est vraiment super. Quoi d'autre? Ouais, j'ai trop un bon feeling par rapport à cette coloc, je sais pas comment ça se fait qu'on s'entend aussi bien, mais c'est trop bien. On est toutes dans la même vibe, on est ou en master ou en licence, sur la fin de la licence, donc au final, on est un peu dans la même vibe. Et donc bah, je suis hyper contente que tout soit assez fluide. En termes de bouffe, j'ai réussi à trouver tous les petits trucs que je voulais et tout, donc ça voilà, c'est cool. Je cuisine beaucoup, tout ça, ma petite vie, voilà, bon bref, on s'en fout. Et puis quoi d'autre? La ville bien sûr. Que dire sur cette ville? J'adore cette ville, c'est-à-dire qu'en fait, tous les bâtiments, l'architecture, il y a trop une bonne vibe, même si quand on sort, t'es un peu en mode « Ah, c'est confiné, il y a pas beaucoup de monde », mais en même temps, il y a quand même quelques gens qui vont travailler, qui vont faire leurs courses, qui vont sortir leurs chiens. Voilà, donc on est quand même sur une vibe confinée, confinement, tout ça. Les bancs, tu peux pas t'y asseoir, il y a des trucs, la scène de crime, comme dans les films en fait. Mais il y a quand même une bonne vibe. Je suis contente de la ville parce que les bâtiments ils sont juste trop beaux, toutes les couleurs, l'architecture, genre tous les plafonds ils sont hauts, même les, tu le vois sur les devantures. Enfin juste c'est trop cool. Il y a grave une bonne vibe et j'aime beaucoup la ville. C'est un peu décevant parce que tout le monde, bon, je savais déjà en arrivant ici que je pourrais pas faire ce que je voulais, aller boire un verre ici, partir là-bas en vacances, aller faire un tour à Porto, et puis descendre dans l'Algarve, non. Mais c'est quand même un peu décevant parce qu'il y a tout le monde en fait qui me dit « Ah, le semestre dernier, on pouvait faire ça, 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 ça », comme Catherine, elle était là par exemple le semestre d'avant. Et elle me disait on faisait ça et tout, je suis allée là. Et en fait c'est trop frustrant parce que j'aurais dû faire une année complète et le semestre, le premier semestre en fait, donc en septembre dernier, eh ben c'est là que j'aurais pu faire les trucs si jamais la fac n'avait pas décidé d'annuler mon échange, puisque c'est la fac qui a décidé d'annuler et pas le gouvernement. Donc frustration, je suis grave reconnaissante de pouvoir être ici malgré la situation actuelle et j'espère que tout n'ira qu'en s'arrangeant. Je crois que la situation au Portugal, qui était jusqu'il y a peu le pays le plus touché au monde, s'il te plaît, genre il fallait que je me pointe dans le pays le plus touché au monde par le Covid, genre lol. Ça progresse en bien, les hôpitaux sont un peu moins engorgés à ce que j'ai entendu. Le confinement par contre est prolongé pour maintenir la situation. Et voilà, mais sinon je suis bien dans ma chambre, je suis bien dans l'appart, je suis bien dans la coloc, je suis bien dans la ville. J'ai repris le sport, je m'alimente bien la plupart du temps. Et voilà. Et j'avais juste envie de faire un petit feedback sur les 2 dernières semaines. Va falloir que je dérush maintenant tout ce que j'ai filmé jusqu'ici parce qu'on a vu des trucs quand même assez jolis. Et j'ai filmé beaucoup de choses. Donc je vais me mettre à faire tout ça pour te montrer tout ça au plus vite. Voilà, voilà. À très bientôt pour la suite des aventures. On va s'arrêter là pour ce vlog, je pense. Ciao! Parce que je le vaux bien. Happy dog! Happy, happy, happy dog! Je me caille. Je me caille, ouais. Oh.